Oh là là, le start moche. Bah, tu devrais faire que du ranked en fait, même si tu t'entraînes, ça te fait monter déjà au moins. Oui, quoique, ça t'évite de monter, de redescendre, de remonter, de redescendre. Mais bon, ça te fait un peu de classement gagné. Mais je comprends. Oh là là! What? What? C'est pas mal, petit masque de vampire. Oh, le jeu se joue de moi. Ça, c'est hyper bien en plus. Pas de facile ça. Wow, il y a déjà 5 teams à 2 étoiles. On est dans la merde les gars. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, on est... il n'y a que moi qui n'ai pas de... pas de 7 étoiles là. De 2 étoiles pardon. 7 étoiles. Déformation brève Exvius. Ah, ça peut être facile, ce délire. Un Tigrex Berserker Glass, c'est trop la classe. Issu de quoi? Salut Rider, salut Fantôme, salut Charles. Tingso, 我的发髻线，我的发，杀克了。Ouh la vache, Az, déjà 2 3 2 étoiles. Alors les level up là, c'est chaud. Je pense qu'on est pas mal pour retarder l'évolution et faire du gold.
Ok, le start est bon là. C'est exéco, je viens de penser qu'il y a une team vraiment P, je pense, c'est Sigo Black, le démon d'ombre, puis ce gendarme d'esprit d'ombre. Le démon d'ombre, ça dépend lequel tu parles. Démon d'ombre, le meilleur, c'est le combo clan du glacier pour lui, parce qu'il a plus 35%, plus 30% d'attaque speed, je crois. Ce qui est extrêmement fort. Ok, nice. Monster Hunter, c'est ce soir, à partir de 20h. Des conseils pour bien débuter le jeu? Alors, je te conseille mon guide d'aventure, mon guide partie suivie, où j'explique pas mal de choses. On va chercher gold de plus. Mon idée c'est 0,99 GZ. Il est dans la vidéo. Ouh, hop 6 là déjà. Un compte à payer. Bon, j'avoue que c'est un peu sale, le double bombardier il est un peu sale. Ah putain. Merci Jean-Mathieu, j'oublie tellement ce truc là, ça me saoule. J'oublie à chaque fois la victoire. Je suis pas, ouais, je suis pas habitué au gold là. Il fait tout le long. On va pousser un peu celui-là. Pourquoi ce placement si particulier pour chasseur de démons? Bah c'est au cas où il y a un assassin dans l'équipe adverse. Généralement il saute dans les backlays, vous voyez. Et en fait il sauterait sur le chasseur de démons. Et du coup, s'il saute sur le chasseur de démons, il y a de grandes chances que le chasseur de démons l'empêche d'utiliser son ultime. Oh, je suis trop bête, j'aurais dû garder et revendre le boxeur à la place. Monte le son de quoi? What? Comment ça vous m'entendez pas? Bah non, je vois le micro et tout. Et comment ça vous m'entendez pas? C'est chelou là, de quoi, qu'est-ce que vous me racontez? Bon,
On pourrait un de ces quatre récupérer ça sur le gobelin et le mettre sur un autre perso. Putain, les roquettes sont pas parties sur les bons persos, quoi. Ouh! Nicey! Ton Bluestack Ram! Alors là, c'est problématique, hein, parce que Bluestack, il le fait tourner parfaitement, puisque je suis en train de jouer sur Bluestack. Ah, du coup, attendez, parce que j'ai eu un gros... J'ai eu un gros pavé tout à l'heure. Tu m'as donné envie de jouer à la version mobile, je suis dans... Alors, il n'y a plus besoin à Smodrunk, en fait, maintenant, parce qu'il est dispo en Europe avec un serveur européen, etc. Donc, tu peux juste aller sur le Google Play. Oh, il a quand même tiré alors qu'il était mort, ça c'est dégueulasse. Mais il tient cet homme! Si ton Bluestack lag, ça devient de ton PC là, il n'y a pas d'autre solution. Légendaire gobelin 13 étoiles. Ah, si t'en manquais deux, c'est pas ouf. Oh putain, le up de malade. Vas-y, on va upgrade le niveau maintenant. On va essayer de chercher de l'épique. Ce soir, MH World, les gars. Ça fait déjà 3 jours que c'est le soir. Donc à 20h, ça sera du MH World. On finira la Volto H Diablos, d'ailleurs, au passage. Je crois que c'est là où il y a un endroit 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 où
l'économie de Melmont est pas ouf non plus. Ok, nice. Est-ce que si on met... Ça, c'est pas un passif, on est d'accord. Donc le berserk va le muter. C'est un peu con. On est un peu lent en attaque là pour se transformer. Qui partent comme ça. La vidéo sur les placements de troupes, ouais, faudrait que je la fasse, mais le problème c'est que c'est compliqué en fait de refaire une partie suivie en expliquant les placements de troupes petit à petit. Alors j'ai pensé à faire un système, c'est d'aller dans le l'index des unités et d'aller un par un sur les unités quoi, et de dire lui comment je le place, pourquoi je le place, etc. Ah si, je viens d'avoir une idée. Je prendrai un screen d'un plateau vide. Je prendrai le screen d'un plateau vide et j'expliquerai pourquoi. Sapietrou, c'est dans lequel ça déjà? C'est pas dans MH Stories? Ah, la griffe, c'est pas mal pour s'en sortir entre deux. Oh putain, je l'ai glissé pourtant, mais tant pis. Tant pis. À quoi il ressemble le Versapietrou. Attendez, je vais voir. Il me semble que c'est pas du tout ça. Voilà. Ouais, j'avoue que si, en fait. Attends, merde, je peux pas. Fuck. 明明可以骑龙作战，我为什么非得变成？想要什么？没什么能难倒我和熊灵伙伴。 C'était juste, hein. 听说有个地方的恶魔猎手都是瞎子。
Le gobelin roquette, en fait, il est très fort en early, jusqu'à peu près les rounds 10, mais comme tu peux le voir, il a que 2000 PV, donc en late game, il se fait un stand des pop. Quatre, 28, 32, ça fait 7 fois 5, 35, ça fait encore un peu cher. Je suis serveur Europe, heureusement. Normal en même temps. Yep, le jeu est gratuit. Bon, ça s'est bien passé là. Si je tiens encore deux rounds, il me faudrait 9 fois 5, 45. Plus si je revends ça, ça. Il y aurait moyen d'aller chercher le 10. Je vais chercher le 10 très tôt et j'essaye de mettre des légendaires. Quoi. Regardez-moi ce bateau de toute beauté. Sous l'ultime du Dark Spirit en plus. Ton placement tellement bizarre qu'il défonce tout, on voit la différence de niveau. Ouais, c'est pas le déplacement là, j'ai quand même eu un très bon start avec le bombardier. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de team assassin, donc pour l'instant je les mets légèrement en retrait, j'ai pas besoin qu'ils soient vraiment frontline. Là par contre ça change tout. Là ça change tout tout tout. Team diagonale, très important. Le Witcher il fonce sur le tank ou voilà, regardez le mecha, ça un contrôleur donc c'est très relou. Ça laisse le temps mon démon de se up, hop voilà, il reprend les PV derrière, il défonce tout. En fait le démon il affronte juste, il affronte pas en premier, il affronte en deuxième lane, c'est-à-dire qu'il arrive. Il va se faire toucher par la backlane parce qu'il est suffisamment devant, mais il va pas se faire toucher en mode tank. Tu vois, il est pas là pour tanker, c'est pas un tank pur. Enfin, du moins tant qu'il est pas 3 étoiles, mais.
Par contre, si j'arrive à le placer 3 étoiles ou autre, je revends le gobelin hein, direct, tous les jours. Parce que là, on peut voir qu'en termes de dégâts... C'est vraiment pour vous, hein, les gens. C'est vraiment pour vous. Parce que là, on va tenter de faire du légendaire 3 étoiles. C'est-à-dire que là, je suis déjà niveau 10, rune 25, quoi. Ça mérite même un tweet. Ouh, mon perso préféré. Mon perso préféré. Ah bah ouais, je peux le jouer. Ah, j'ai Insomnie encore sur le terrain pour l'instant. Ok, avec level 2, mais je peux faire un debuff armure. Ouais, je vais le rentrer juste après, rien que pour le debuff armure. Debuff armure, je vais enlever un tabou Witcher et puis ça ira. C'est la première game du soir, ouais. Pas de la journée. Par contre, j'ai pas... Ah ouais, mais c'est chaud. 养一头熊最让人头疼的事情就是给拆家。 On a le debuff mort-vivant, ça c'est déjà bien. Il y a toujours moyen, si j'arrive à avoir un faucheur d'âme 2, il remplacera dans ce cas-là l'archère. Parce que bon, l'archère, voilà, on met un peu de temps à se mettre en place. L'archère peut être switchée aussi par la chevalier lame. Qu'est-ce que j'ai fait du gobelin? Il est là. Parce que lui, je peux synthétiser ça encore. Donc, si je peux synthétiser ça, je peux la mettre sur l'archère. Ou je peux la mettre sur une chevalier lame 2 étoiles. Chevalier lame 2 étoiles sera beaucoup plus utile. Regardez, lui, il va mourir un peu vite. Ouais, il va. Donc, faut pas s'entêter à avoir des synergies parfois. Faut se penser team MOBA. Et au bout d'un moment, il y a des unités, et elles survivent plus assez pour être performantes. Donc là, Goblin Slayer, ça, c'est out. Et on va mettre le Berserker sur l'archère en attendant, voir comment elle s'en sort. Et si ça sort pas, on va essayer d'intégrer de l'épique à la place. Quoi. Donc là, lui, il est out. On reprend ça, on switch le Berserk. On met le Berserk sur elle. Et on met le debuff armure sur elle aussi. Ou clairement sur lui, plutôt. Clairement sur lui. Mais ça devrait faire le taf quand même. Donc là, elle va avoir une vitesse d'attaque assez intéressante. Faut checker maintenant un peu les dégâts. Regardez de l'archère.
c'est moins dégueu. Hein, on est sur du 822. On est sur du 123-08. Je sais pas si c'est inclus direct, mais bon. Ok, donc là on va refresh. Tableau Witcher, on le prend. Luna Savir. Cette manipulation. Je crois que j'ai loupé le tabou 3 stars, non? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe, ça a été vite. Ah, destructeur, c'est bon aussi, hein. Là, on va refondre la team, là, c'est sûr. Parce que là, on est sur quoi? On est sur tabou. Voilà. Elle, c'est plus opti. Ici on a la griffe qui va peut-être pas rester. L'ultime de Dark Spirit sur le contrôle est magnifique. Regardez, 4% de PV par seconde en moins avec l'AOE du chevalier dragon exactement. Ah, il y a eu beaucoup de changements qui durent. Et beaucoup d'unités qui ont été refaites aussi. Ah, lag. Dark Spirit ici fait un très très bon outil. GG. On met un petit GG dans le fond. Hop là. C'est beau, c'est très très beau. What? Même pas un level up? Ben alors ils avaient tous un niveau nul, non? Vas-y, il y a des chevaliers 5, doudou, j'ai pas up là, vous êtes fous quoi.